C'est un moyen de développer le sens marin et l'acquisition de fondamentaux maritimes sur l'eau. C'est un intérêt, je dirais, à la fois pour les civils et pour les militaires. Il y a des valeurs qui sont communes, comme la combativité, la pugnacité, l'esprit d'équipage, les valeurs de solidarité, parce qu'effectivement, entre marins, c'est une valeur importante. Mais je dirais, effectivement, le jeu de la régate, c'est une bataille navale fraternelle, je dirais. Mais ça n'empêche pas d'être solidaire, donc à la fois sur l'eau, en cas de problème, mais aussi à terre. Le partage et le maintien d'un patrimoine, je dirais, commun, qui est la voile autour des bateaux historiques, mais aussi des bateaux modernes, et de les faire partager entre les civils et les militaires, c'est, je dirais, c'est une manière de créer d'autant plus fort le lien armée-nation. Alors ça reste un jeu, parce que la régate, c'est un jeu. Mais malgré tout, y a un vainqueur et puis il y a des vaincus.